chers ultrates, je suis extrêmement fier. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet, messieurs. Et en ce 13 juillet, chat, j'ai la chance, le privilège de pouvoir vous annoncer que je suis ban. Que les cheaters sont pas bannis, mais que Monsieur Chou, lui, il est banni. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, j'ai pas acheté sous VPN, messieurs. J'ai retenu de la dernière fois. La dernière fois, c'était un ban Bennett. Il y avait marqué en bas à gauche, il y avait marqué ici, il y avait marqué Monsieur Chaud, t'es banni, t'as pas le droit. Du coup, moi, j'ai fait quoi, chat? J'ai dit ok, j'ai pas le droit. Pas de problème, mon gars. Du coup, j'ai acheté mes trucs sans VPN, normalement. Et là, c'est Acti qui me banne. Mais pourquoi il me banne? Avec tout le troll et les horreurs que je mets, même si je prends 1000 reports, je suis pas censé me faire bannir. Et si on prend trop de reports, on est shadowban. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surtout que j'ai même pas reçu de mail. Va penser, chat. T'as un compte protégé, non? J'ai le compte whitelist. Non, je n'ai pas la double authentification, ce qui peut me faire défaut. Mais je suis whitelist. Vous vous rendez compte entre nous que les mecs, ils ont pas d'anti-cheat, que les cheaters sont pas ban, qu'on en a 20 à 30 par game, et que moi, qui live tous les jours leur jeu, qui est censé avoir un compte certif, je me fais ban. Ban def, ouais, c'est un ban def, gros. C'est un gros ban qu'on a pris. Du coup, je suis en train de parler avec les mecs d'Active, ils envoient les mails et tout, et... Je sais même pas pourquoi. Activision, je suis sur leur site, chat. Est-ce que vous pensez que depuis leur site, je peux voir mon compte? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu t'es fait hack? Non, j'ai pas l'impression de m'être fait hack. Là où je suis dans l'interrogation, les gars, c'est que actuellement j'ai zéro mail d'Activision. Zéro mail. Je ne sais pas ce que mon compte a. Deuxièmement, je vais sur le truc d'Activision. Je log mon compte et tout. Et j'ai pas de message rouge en mode t'es banni, il y a un truc. Je nage dans le caca. Apparemment, le whitelist n'est pas une garantie absolue. Ça commence à avancer. Il y a le mail qui est parti chez les Américains. Je vais relancer le jeu parce qu'il y avait écrit un message. Hein. T'as qu'à être nul. Comme ça, tu prends aucun risque de ban. Mec, c'est ça pour être comme Mabzwell? Ah, c'est bon. Hein. Laisse tomber. Hein. J'ai pas envie. T'as pas présenté ton pass sanitaire à Activision. Va sur Cold War. Je vais me flinguer, les gars. Un modo m'envoyait ça. HTTPS support Activision Warzone Policy. Juste pour que je vois où est-ce que ça va m'envoyer. Je préfère arracher la touche échappe de mon clavier et faire une chose folle avec plutôt que lancer Fortnite. Je sais ce qui m'a fait ban! Je sais ce qui m'a fait ban, les gars! Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'était ce matin? Parce que les yeux fermés, je peux du mettre quelqu'un. Et voilà! C'était sûr, en fait! C'était sûr! Je l'aurais donné sur un plateau! Je l'aurais donné sur un plateau, en fait, la raison de me faire ban! Je l'aurais offert au mec! Je l'aurais dit, vas-y, faites-le! L'américain, il fait, hey, my guy! Watch this guy! Hey, man, I'm just faking a barbecue with Texas! Pareil, c'est l'imitation du Texas qu'ils ont pas aimé aussi. Oh, bordel, pareil, il y a un mec d'Activision qui est texan, en gros, ça. C'est sûr que c'est pas passé. Pourtant, j'ai dit que j'avais... Yeah, le barbecue, yeah, Mabzwell, yeah! Hey, Mabzwell, you remember my boy with Texas, bro? En vrai, Activision France, c'est le sang, mais obligé d'envoyer un mail à Activision US, les gars. J'ai lancé le hashtag Free Show sur Twitter. Le hashtag Free Show qui a déjà 300 likes en une minute, chat. Quelques heures plus tard, le hashtag 7ème des tendances en France, vous êtes des fous. Chat, est-ce que vous pensez qu'à la fin de ce live, je serai unban? Ou il ne se sera rien passé parce que Acti Amérique s'en bat royalement les couilles, les gars. Hey, Activision Amérique, yeah, the first French streamer, non, the first European streamer is ban, yeah, it's Tefu, no, the American star, no, okay, ça, bat les couilles. Ok, j'ai le lien, les gars. Tu sais que c'est connerie. Mais c'est quoi ce lien de merde? J'en fais quoi, ça? J'en fais quoi? J'en ai à foutre. C'est quoi cette merde? Genre, ça veut dire que j'ai été banni pour cette raison? Alors, soit parce que je suis un pirate. But you have heard of Captain Jack Sparrow. Soit parce que j'ai un logiciel, soit parce que j'ai un périphérique, soit parce que j'ai fait boosting, soit parce que j'ai glitché, soit parce que j'ai insulté. Soit parce que j'ai fait offensive behavior, open badly, don't lock and lock quelqu'un content. Et qu'est-ce que c'est ça? Ou un decompiling engineer? Ouais, finalement, peut-être qu'ils font juste leur boulot, les mecs, hein. Non, mais sans déconner, c'est pas possible. Il y a toute une ribambelle de putes qui utilise un glitch de merde pour avoir un vieux camo qui farme pas eux-mêmes. Et c'est moi qui me fais ban. Non, mais merde, à un moment donné, les gars, va falloir attraper la souris par la queue et lui manger les joues. Ce matin, il y a eu le mec qui a glitché, les gars. Mais je l'ai tué. C'est d'ailleurs, vous avez accès au replay. C'était la première game de la matinée. J'ai gagné la première game. J'ai pas réussi à rentrer dans le glitch, donc ça peut pas être ça, tu vois. En fait, pour vous raconter, ce matin, je suis tombé sur. J'ai pourchassé un mec et j'ai vu cet enculé rentrer dans le mur, tu vois, dans un glitch à l'aéroport,
Donc je me suis dit, vas-y, je vais rentrer dans le mur pour le buter aussi. Et sauf que j'ai pas réussi à rentrer dans le mur, donc bah, il m'a tué. Mais c'est lui qui glitchait et non moi, tu vois. Les gars, imaginez une seule seconde que c'est ce mec qui m'a reporté en suivant parce que je l'ai tué qui m'a fait ban, t'imagines? Bon, après, j'ai joué avec Vince. Il y a eu 3 wins, mais ça a été très très cool, hein. Ça a été très très cool, il n'y a pas eu... Au quart, la dernière game, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu 9000 de dégâts au quart, les gars. Mais ça peut pas être ça, j'ai déjà fait des choses bien pires. Bon, mais il y a ActiFrance qui ont fait des mails, qui ont même envoyé des textos aux Américains. Il n'y a plus qu'à attendre, les gars. Il n'y a plus qu'à attendre. Et il y a mon agent, les gars, qui a fait un mail direct aux US aussi. Les US, là, s'ils ont pas les oreilles qui sifflent, les gars. Je peux hélas rien faire ce soir, je vais pas utiliser le compte de quelqu'un d'autre. J'ai pas vraiment l'envie de lancer un autre jeu. Je voulais jouer à Call of ce soir. Call of ne veut pas. C'est comme ça, chat. Nous en saurons plus sûrement dans la nuit, vu que c'est les Américains qui travaillent là. Je vous tiens au courant. Twitter, Insta. Sur ce, les gars, à demain. 24 hours later. Est-ce qu'on est unban, les gars? Est-ce qu'on est unban? Est-ce que ça va réussir à se connecter? Est-ce que ça va réussir à se connecter? Non, je suis pas sur le même compte. Didier, là, il est en train de se frotter les mains. Il est en mode, on va faire le chiffre du mois. Show est banni. On va faire une vidéo. Ouais, j'ai été ban, les gars. Rentrons dans le vif du sujet, dans le morceau de barbac qu'on tranche à sec. Hier, j'ai fait le test. J'ai réinstallé Cold War, les mecs, pour voir si j'étais ban. Et Activision et Cold War, savoir si j'avais reçu tellement de centaines de milliers de reports sur Warzone que même le whitelist aurait sauté, tu vois. Un truc quasi impossible, mais en fait, je troll tellement et je mets tellement des actions de ouf en ce moment, ça m'aurait pas tant étonné que ça qu'on ait réussi à faire sauter le whitelist avec le nombre de reports hallucinants que j'aurais eu, tu vois. Et c'est pas ça. Parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé Cold War, paf, banni aussi de Cold War. Logiquement, quand tu vas sur ton compte, quand tu te logs à ton compte Activision, t'es censé avoir un petit triangle qui dit, il y a un problème sur ton compte. Il y a rien du tout. C'est quand je regarde tous mes logs, tous mes trucs Activision, je ne vois rien du tout. Donc, j'ai pas d'infos via Activision. Quand je vais sur mon mail, voir si pourquoi j'ai été ban, etc., je n'ai aucune info aussi, les gars. Il y a un mail, les gars. Hier, j'ai reçu des infos, tu vois, de centaines et centaines de personnes qui eux aussi se sont fait bannir, exactement comme moi. Mais vraiment, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages là-dessus. Comme quoi, ils ont exactement le même ban que moi, alors que ils sont legit, etc. Je pense que c'est une vague de ban auto, ou bien la dernière option qui est possible, les gars. C'est un gars qui en a parlé. C'est, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a des mecs qui ont us glitch, passé niveau 1000. Genre avec un cheat ou quoi, ils sont niveau 1000, les mecs. Et quand tu tues un niveau 1000, ton compte, temporairement, le temps d'une game, ça bug et il passe niveau 1000 aussi, ton compte. Et du coup, ton compte est ban automatiquement, comme si tu cheatais, parce que tu as tué le cheater niveau 1000. Contagieux, le bordel. Soit c'est une vague de ban, genre ils ont foutu un stagiaire aux commandes. Le stagiaire, il tournait à la 8-6, à la bière de Clodo. Et il avait un pastis à côté. On lui a dit, vas-y là, il va falloir nettoyer. Il faut qu'on marque qu'on a banni 30 000 comptes pour cheat, pour faire croire qu'on a un anti-cheat et qu'on est une société efficace, tu vois, qu'on n'est pas qu'une bande de grosses merdes. Et le stagiaire, il a fait, ok. Tu vois, il a regardé la liste, il a fait... Et c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Mec, tu utilises un VPN, c'est normal. Oh putain, je te banne. Mais gros, si t'es un streamer et que tu lances des games et que tu te retrouves avec 60 personnes par game parce que t'as pas de VPN, comment tu veux jouer? Attardé mental, sombre merde, fils de merde, je te pisse dans la merde. J'ai perdu pied. Mais je me suis retrouvé, chat. Le VPN est une obligation pour les gros streamers. Pas pour une question de level. Je défonce tout le monde. Ok, les ultras. Comme d'hab, je vais vous en dire le plus possible. Mon compte est ban suite à une mauvaise gestion, des milliers de comptes. des milliers de comptes. Suite à une mauvaise gestion entre Blizzard et Activision. Normalement, ça devrait être réglé. Mais pour dire exactement ce qu'il y a eu, genre les détails qu'il m'a donné, je vais devoir attendre que mon compte soit unban. Il faut attendre qu'Activision fasse les choses. Mais c'est une erreur de leur part et non pas de la mienne. Déjà, c'est une bonne nouvelle, les gars, parce que moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit,
Non mais attends, chaud. C'est parce que t'as voulu buter ce mec dans le glitch l'autre jour? C'est parce que c'est la game à 9000 de dégâts au quart qu'on a fait avant de partir bouffer? C'est parce que j'ai buté un cheater dans le jeu, vu que j'ai buté le cheater, mais ils se sont dit que je cheatais aussi? J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle.